Alors, oui, bonjour à tous mes frères et messieurs, Mauriciens, Mauriciens, n'importe dans qui endroit je, tr je trouve eux même euh, Que vous soyez dans le nord de l'île, dans le sud de l'île, dans le l'est, l'ouest de l'île, n'importe dans qui la ville, dans quel endroit, dans qui village vous étiez Dans le nord, Grand-Grobe, Grand-Bé, grand, euh, Saint-François, Cap-Malheureux, Bain-Bœuf, euh, Père-Bère, Calodine, euh, Petit-Raffray, euh, Pamplemousse, euh, Rochepoix, euh, saint croix Pour-Lui, Tringba euh, Cité Valéji, euh, Coromandel, Bobassarosil, euh, Saint-Jean, <coughs> Quatre-Baunes, euh, Trianon, Vacua-Phoenix, Kiryopip, etc. etc., N'importe quel endroit fl floréal dans l'Est, dans l'Est, dans, dans le Sud, n'importe ceux qui sont en Rodrigue pour Mathurin, que le Seigneur vous bénisse. Ceux qui sont en, en Europe, en Angleterre, en France, en Italie, etc., etc. etc. que Dieu vous bénisse. Au Canada, que Dieu vous bénisse. En Australie, que Dieu vous bénisse. Le Seigneur est bon. Le Seigneur est bon. Le Seigneur est bon. Le Seigneur est bon. bon. Alors, bonsoir à tous, mes frères bien-aimés, mes bien-aimées. Hallelujah. mais moi, ne brune? Amen, amen, amen. Je vais dire comme ça. Ou pas dire rose brune. Amen, amen, amen. Hallelujah. Que le Seigneur vous bénisse. Alors, Niamala, bonsoir. Gary, Marie-Claire, Mina, Pratima, Christophe Echebet, Rosiane. Sabita, Emmanuel Virapen, Varchini, Amen. <coughs> marie Chaperon, Joël, bonsoir. Isabelle, bonsoir, dans le village. Euh, Sonia et ma tante Linda, bonsoir, Amen. Jessica Monusami, bonsoir. Anthony Vero, Amen. Kamla etc. qui bonsoir à tous bonsoir à tous alors rapidement nous pourrons dans les annonces et puis nous allons de l'avant amen amen ici il fait extra frais aujourd'hui la neige peut tomber bédio. actuellement là il est moins 6 degrés moins 6 degrés ce soir les est pour environ moins 10 à moins 12 degrés ok moins 10 à moins 12 alors frais c'est un balle ici faire balle ici Ok, alors rapidement, mes frères et mes sœurs, n'oublie pas les annonces. Si tu n'as pas encore subscribé avec notre YouTube channel, me demande-toi de avec notre YouTube channel. Ok, et pas oublier, et un nouveau ce qui est ce nous peut déclencher ici, surtout pour nous réussir encore. Uh, join our mailing list. Join our mailing list. Allô, uh, nous mailing list. Join from, from party to new mailing list. Sign up to our mailing list. Comme ça, tu es capable de recevoir des ben spéciale. Uh, Uh, offers une uh, parole qui peut encourager ok Amen. Ok, glenarikion.org forward slash sign up. Uh, cette semaine-ci, le plan anglophone. Si tu ne rates Réunion hier à soir et hier après-midi, écoute Réunion en anglais. Je peux comprendre, amen, nous causons le preparing au year by fasting and prayer. Et bah, si tu comprends anglais, tu es capable de le sa page, la afin qu'il soit capable de comprendre beaucoup de choses, le jeune. Il y a beaucoup d'articles, beaucoup de blogs, etc., vidéos, etc., 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 etc. Ok Alors, maintenant, écoute bien nous avons un, euh, <coughs> un nouveau MP3 qui nous peut proposé. C'est 21 Secrets You Need to Know for a Successful Year. Pour un mauricien qui est à Maurice, ça lui coûte 70 roupies. Ceux qui sont en, en Angleterre, il y a 4 livres. Ceux qui sont en euros, euh, dans l'euro, euros, il y a 4 euros. Ok. Alors avec les bons comme un MP trois, comme un CD. Alors s'il vous plaît, mes frères et mes sœurs, amen. Vous capable allons glanarikion et appie à à, quand je donne ça MP 3 là, là vous Je te pile le drapeau mauricien et ça pour je ça, 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 ça pour 70 roupies ceux qui sont dans Maurice, ok, n'oublie pas, n'oublie pas, janvier le 20, le 21, le 22, n'oublie pas RKM, Raising Kingdom Millionaires, ok, Raising Kingdom Millionaires, li pour Maurice, li à 8500 roupies, 8500 roupies pour ceux qui sont à Maurice, mm -hmm. ceux qui sont en Angleterre, en Europe, à 250 dollars et ça pour changer de la vie de comprendre quelque chose et a beaucoup pas encore prié même prié même pour pour finances non 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 la la, la les finances les à travers appliquer quand on applique on nous applique les principes de business et la bible c'est le meilleur livre de business qui est capable de gagner ok amen 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 si tu n'as encore vu un partenaire avec nous moi demande toi viens un partenaire avec nous afin qu'ils te capable euh, Sem dans l'Évangile, tous les mois, et tous les mois, nous poussons dans dans la vie. Amen. Attends. Euh, hallelujah. Euh, ce jeudi, amen, ce jeudi, ah, lundi, je c'est-à-dire, le 10 à 17, nous pouvons faire 7 jours de jeûne. 7 jours de jeûne. C'est pour ça que nous pouvons enseigner sainte Nous, moi, nous moi, moi, pouvons continuer pendant 21 jours, mais nous ne pouvons pas, parce que beaucoup ne pas, pas habiter de faire 21 jours de jeûne. Alors, nous pouvons faire... Euh, 7 jours de jeûne, 10 à 17. 10 à 17. Et te, te décider comment te faire. Et nous pouvons prier beaucoup, 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 beaucoup. Ici, nous pouvons prier tous les jours. Alors, nous allons prier les le Mauricien. OK Alléluia. Et n'oublie pas que vendredi, nous avons réunion de prière. Vendredi, nous avons réunion de prière. Et réunion de prière, n'est peut ici commencer à 13h. Ça veut dire Maurice, est pour 22h rayon de prière, les commencer à quelle heure 13h ici et ne pour euh, Maurice les pour à 22h en Angleterre les pour quoi 18h et en Europe les pour à 19h. OK, les pour à 19h. Alors Isabelle, tu es capable de mettre ça pour moi le, euh, le, le, le choses là dans comments qui ce vendredi réunion de prière nous a deux états et quart deux etant et quart Ok, alors nous pouvons faire, ça veut dire Maurice lipo à 22h, en Angleterre lipo à 18h, en France, en Europe lipo à euh, 19h. Ok, alors s'il vous plaît rentre dans prayer room, n'a pas tardé, rentrez à l'air, rentrez à l'air. Moi, pas content, euh, quand je rentrer, il y a, là, il y a là, laisse moi laisse-moi rentrer. Non, non, toi tu as déjà fini de rentrer depuis avant. Au fait, maintenant, c'est après 10 h tu tu pas encore rentré, pas fatigué, moi. Mais parce qu'il n'y pas rentrer. Mais au j'ai fini de rentrer puis Depuis bonheur, OK? Quand c'est qu'on est là pour prier, c'est pas ne pas le déranger par les autres choses. OK? Alléluia. Alors, n'oublie pas, ce vendredi, réunion de prière à 22h, Maurice. En Europe, 19 h En Angleterre, il est 18 h Ok, mes frères et mes sœurs, est-ce qu'il nous plaît pour rentrer dans la parole de Dieu que le nom de Dieu soit béni. Moi, j'ai besoin un peu d'aide avec Zot. aujourd'hui. Mon, euh, <coughs> mon kit, mon français pas avec moi ici là. Ok, alléluia. Et moi, besoin un peu d'aide avec Zot. Si je suis capable, aide-moi, Gary ou n'importe qui, c'est n'a plus vite possible pour nous capable. Comme il kapava, ka mo', mo', euh, en a ki, y a une manne d'écriture qui me je j'ai besoin peu mettre vite, vite. vite. Vite, vite, attendez, vite, vite, l'écran. Ok, alors qu'une fois, bonsoir à tous, à nous comblanter, nous prier et nous rendre dans la parole de Dieu. Seigneur mon Dieu, me remercie-toi pour ce peuple merveilleux, me demande-toi qui te pour... aide-moi ce soir pour enseigner la parole de Dieu avec toute simplicité, avec toute efficacité. Me demande-toi qui te pour... de demander qu pour... la porte de la parole, Seigneur, Grand cet esprit, nous appelons l'autre toi. Et remercie-toi pour ce peuple mauricien, mauricienne, qui sont merveilleux, qui se prennent les oreilles pour entendre, l'intelligence pour comprendre, les yeux pour trouver et le cœur pour recevoir la parole de Dieu au nom puissance de Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Alors, encore une fois, bonsoir à tous. Alors, si je etnage de la Bible avec Zote, ouvrez de la Bible avec Zote dans le livre de 2 Chroniques, chapitre 1. 2 Chroniques, chapitre 1, s'il vous plaît. 2 Chroniques chapitre 20. 2 okay? Chroniques chapitre 20. Ne pouvons lire à partir le premier verset jusqu'au troisième verset. 2 Chroniques chapitre 20, 1 à 3. Mopélire de la Bible d'Arbi. Tu capable de mettre le second toit. Il dit comme ça <coughs> Et il arriva après ces choses que le fils de Moab et le fils d'Amon, et avec eux une partie de Mahonites, virent contre Josaphat pour faire la guerre. Et on vint et on raconta à Josaphat en disant Il est venu contre toi une grande multitude de l'autre côté de la mer, de la Syrie, et voici, ils sont à assassin Tamar, qui est en Anguédie. Maintenant, guette le verset 3. Nous pouvons mettre l'emphase lors le verset 3. Et Josaphat craignit et tourna sa face pour rechercher l'Éternel et proclama un jeune par « Tout Juda. Il proclama un jeûne hein, partout tout Juda. » Alors, écoute bien maintenant. S'il vous plaît, je suis capable de mettre ça le plus vite possible. Hein, le second, hein, lui second. Euh, alors, nous trouvons qu'il dit comme ça, verset 3. « Les Péguins les tournes se fassent pour roder le Seigneur, pour chercher le Seigneur, et les proclame un jeûne pour tout le pays de Juda. » Alors, écoute bien maintenant. Nous trouvons que la Bible euh, mmh. d'Arbim était proclamant, ici en français, lui II, les diens, publia. Même j'ai fait ça, publia et proclama. Mais moi, si, si dans la Bible il écrit en français moderne, publia, tu écris le mot proclama. Ok Écris le mot po, euh, pro, euh, proclama. Alors, ah. comprends bien là, c'est Josaphat en tant que le roi, en tant que leader. Amen. L'in proclame un jeûne national pour le pays qui a fait que tous les enfants, tous les grands, les vieux, les tontons, les grands-mères, grands-pères, je ont tout besoin à l'eau jeune jeûne. L'in proclame un jeûne. Alors ce soir, mon vie cause avec toi, proclamer, préparer et propulser dans, propulser dans le jeûne. Ok? Alléluia. Maintenant, nous lisons dans le livre de Esdras, chapitre 8, le verset 21. Esdras chapitre 8, le verset 21. La Bible est bien claire, encore une fois, à lire maintenant de la Bible, le second 21. comme ça, Esdras peut causer, nous avons Néhémie était un homme de jeûne de prière. Ok Il était un homme de jeûne de prière. Et qu'arrivait Néhémie, bisin, rebâtir le mieux de Jérusalem, tandis que lit était un scribe et l'IPED, rébâtit. Le temple d'Israël. Écoute bien maintenant dans Esdras chapitre 8, le verset 21. Il dit à nous comme ça. Là, près du fleuve d'Ahava, Amen. Je proclamais. En français, le second dit comme ça. Euh, 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 là, près du fleuve d'Ava. Je publiais. Tandis que le second, 21, dit Je proclamais. Même affaire. Proclamais, publiais. Un jeûne d'humiliation devant notre Dieu. Amen. Afin de le prier pour nous accorder un heureux voyage. Dans cela, pour nous accorder un heureux voyage, un bon voyage à nous, à nos enfants et, et à tous ceux qui nous appartenaient. Alors, deuxième point, nous trouvons ce mot, proclamer ou publier. Alors, soulignez le mot proclamer. Jérémie, chapitre 36, le verset 9. Jérémie, le chapitre 36, le verset 9. Mopelier de la Bible, Darby. Get arrivé maintenant. Jérémie 36, le verset 9. Et il arriva en la cinquième année de Géo... Joachim, fils de Josias, roi de Juda, au neuvième mois qu'on proclama un jeûne. Nous ne un jeûne devant l'Éternel pour tout le peuple à Jérusalem et pour tout le peuple qui venait de ville de Juda à Jérusalem. Alors je ne trouvais ici qui dans Jérémie 36 29 encore une fois ne trouve cette mot proclamé, proclamé ou soit publié. Alors maintenant, guide dans la Bible, dans le livre de Jonas, dans le livre de Jonas. Je connais Jonas, il y a une mission de Dieu pour donner un message à Ninive, dans la ville qu'on appelle Ninive. Ok? Et euh, il n'est pas envie d'aller, aller parce qu'il a envie le jugement vienne à Ninive. Je pète un mois là, c'est pour cela qu'au lieu qu'il y ait dans les l'iniv, il y a dans son chiche, le côté. Je pète un mois, mes frères et mes soeurs. Alors, Genèse chapitre 3, le verset le verset 4 à 10. Alors, finalement, je connais qu'il y a dans le battu, il, il prend le semaine à aller, et le voyage, et finalement, il tombe dans la mer, dans un la, la, poisson et une banane, il en va Je pète un mois là, il reste là-dedans pendant 3 jours. Après l'insurgé, il y a les poils finalement dans Ninive. Il n'y a pas aller parce qu'il était envie que Ninive gagne jugement et être détruite. Je peux comprendre, mes frères et messieurs. Alors maintenant, Genèse chapitre 3, le verset 4. Genèse, vous pouvez lire de la Bible d ok? Genèse chapitre 3, le verset 4 à 10. Genèse commença à entrer dans la ville le chemin d'un jour. Et il cria et dit Encore 40 jours, et Ninive sera renversée. Je ça là, Ninive qui va revenir Ninive, Ninive, les être détruits et soit renversés. Alors quand les hommes de Ninive cru à Dieu, qui vient bien maintenant, les gens de Ninive crurent à Dieu, ils publièrent un jeûne. Je te crois, ce qui un qui à vient dire. Je te dis, un père, je te saisis. Mais la Bible vient comme ça et les hommes de Ninive crurent à Dieu et proclamèrent la Bible du second dit, publièrent un jeune et se vertir de sacs depuis le plus grand d'entre eux jusqu'au plus petit. Quand la parole parvint au roi de Ninive, il se leva de son trône et ôta de dessus de lui son marteau et se couvrit d'un sac et assis sur la sonde. Et il fit crier et dire dans Ninive par un édit du roi. Écoute bien maintenant. « Et il fit faire dans les Nive cette publication par ordre du roi hein, et de ses grands, que les hommes et les bêtes, les bœufs et les brebis ne goûtent de rien, ne pèchent ne point et ne boivent point d'eau, que les hommes et les bêtes soient, soient couverts de sacs, qu'ils crient à Dieu avec force et qu'ils reviennent tous de leurs mauvaises voies et des actes de violence dont leurs mains sont coupables. » Euh, qui sait que si Dieu reviendrait, ne reviendra pas et ne se repentira pas et s'il il, il ne renoncera pas à son. Alors comprends bien maintenant, à son ardente euh, colère en sorte que nous ne périssions point. Dieu vit qu'il agissait ainsi et qu'il revenait de la mauvaise voie. Alors Dieu, Amen, il s'en il ne les pas mettre jugement. Mais il nous trouvons que le roi. De Ninive, faire un édit, lui faire un. donner un lord qui du moon besoin jeûner. Alors, tu trouves là, troisième fois, le mot proclamer et publier une finette annoncée. Ok euh, Quatre fois, nous trouvons ça là. Alors, qui ça veut dire proclamer, hein? proclamer un jeûne Moi, je vais te créer ça. Le mot proclamer veut dire pour annoncer officiellement. Faire une un, un annonce officiellement et publiquement. Ce petit mot-là nous fait faire une annonce. Okay, que je rappelle qu'on entend Maurice en, qu'on a cyclone. Il ben affaire ben l affaire une annonce. L en cyclone warning class N, en vigueur à l'île Maurice. ok Alors, nous comprenons, proclamer, il veut dire qu'il nous fait une annonce officielle. ok Annoncer officiellement ou publiquement. Deuxième mot deuxièmement, le mot, le mot proclamer veut dire déclare une, déclarer une chose. Que l'on considère comme importante en mettant beaucoup d'emphase. L'ONU qui ne peut considérer. Ok, m'aurais dit encore une fois là. Deuxièmement, le mot proclamer veut dire premièrement, il dit qui te fait une annonce officielle et publique. Hein? Un, 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 un premier ministre, un le roi, un, un leader de la famille, un papa, un maman. Amen. Fait une annonce officielle et publique. Un pasteur, pour faire un jeune. Deuxièmement, le mot proclamer veut dire déclarer une chose que l'on considère comme importante en mettant beaucoup d'emphase lorsqu'il qui nous considérait important. Je peux comprendre moi là Troisièmement, écoute bien maintenant, le mot déclarer veut dire le mot proclamer veut dire déclarer quelque chose dans la plus haute importance et donc avec beaucoup de force, d'insistance. Je peux t'aimer moi mes frères et mes sœurs Amen, Amen, Amen. Alors maintenant, à nous lire hein? euh, Joël 1 et 14. C'est pour cela que tu peux trouver be beaucoup de fois. Maintenant, tu peux comprendre qui fait un ben, pasteur pour dire ne plus jeûner pendant janvier le 10 à 31. Ou soit ne plus jeûner euh, pour 3 jours et 4 jours. En tant qu'un leader, il est bien proclamé, il est déclaré. Toi aussi, en tant qu'un leader de famille, tu es capable de déclarer. Publiquement, officiellement, dans ta famille, ne peux jeûner pendant deux, deux jours, un jour, ce qu'ils aient affaire. OK? Joël, chapitre 4, euh, 1, le verset 14. Alors, je peux aller lire pour toi maintenant. Joël, chapitre 1, le verset 14. Dis-nous comme ça, euh, dans, dans Lucie 2, 21. Proclamez un jeûne, une assemblée solennelle. C'est tout ça là. Joël dit proclamez, soit publié un jeûne. Une assemblée colonelle, solennelle, rassembler les anciens, tous les habitants du pays dans la maison de l'éternel. Ça veut dire qu'on nous fait un jeûne corporel, je pétale moi là, il y comme ça, nous proclamer un jeûne et nous faire une assemblée solennelle, rassembler les anciens et tous les habitants dans la maison de l'éternel. Dans la maison de l'éternel. Je pétale ça, mes frères et mes soeurs. Amen, amen, amen. Ça veut dire qu'un un pasteur, soit un le roi, un leader, les, les proclame, les publier, un jeûne officiellement, tu banes les personnes bizarre euh, <coughs> rassemblées dans la maison de l'Éternel. Voilà Ce qui fait qu'on ne peut jeûner, nous tout tous bizarres dans la prayer room. Il gaspillasse qui te jeûne sans prier. Là, tu me fait la grève de faim. Ok, Et une grande différence entre... Euh, la prière euh, entre le jeûne et la grève de faim. Est-ce qu'il se peut comprendre moi Maintenant, on est lié dans, la, dans une version de la Bible anglaise, je dis comme ça Joël 1, 14, déclarer un jeûne sacré, convoquer une assemblée sacrée. Nous déclarons, nous, nous proclamons un jeûne et nous convoque le et le une assemblée sacrée, convoquer les anciens et les habitants du pays dans la maison de l'éternel, votre Dieu, et criez à Dieu. Que le nom de Dieu soit béni. Maintenant, un autre la Bible qui nous appelle New Living Translation, j'ai dit comme ça, annoncez un temps de jeûne. Vous entendez ça là? Annoncez un temps de jeûne. Ce pour cela qui en janvier nous annonce, nous déclarer nous proclamer et nous publier un jeûne de 21 jours. Mais pour Ban Mauricien, et qui, ceux qui ne sont pas habitués à jeûner ne peuvent faire un jeûne de 7 jours. Peut-être que capable simplement manque un seul repas si tu n'es pas habitué à jeûner. OK Et de continuer après. OK Alors, les comme ça, annoncer un temps de jeûne. Tu dis-moi une dis avec moi un temps de jeûne. Ça veut dire la Bible, le Seigneur, l'Éternel, ton Dieu, l'y connaît qui te te bise en le temps pour jeûner convoquer le peuple pour une assemblée solennelle Faites venir le chef et tout le peuple du pays dans le temple de l'Éternel amen 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 pour crier et pour prier à lui maintenant que dans Joël chapitre 2 le verset 15 alors nous comprenons alors qui un lord donne une instruction une euh, déclaration qui nous bisait à jeûner. Je ne moi là. Alors, écoute bien maintenant. Et n'a pas content sa lourde là. la dit Moi, je ne pas jeûné, moi. Écoute bien ce que Jimoun dit. Moi, je ne pas jeûné, moi, parce qu'il m'en est pris en bas la loi, moi en bas la grâce. La grâce et la loi n'ont rien à voir avec le jeûne. Beaucoup de gens ça, c'est parce qu'ils manquent. Euh, l'éducation théologie. Je pète, je pète à moi, mes frères et mes soeurs, quand tu as dit, je ne pas jeûner parce qu'il me dépli en bas la loi et en bas la grâce, je ne pas donner la gym parce qu'il me dépli en bas la loi, en bas la grâce, c'est une petite chose bête, 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 bête euh, qui est capable de dans toute la vie. Parce que la loi et la grâce, c'était le moyen qu'Iban Juif Tipperodé utilisés pour gagner, pour recevoir le salut. Est-ce que je peux comprendre moi là? La loi et la grâce, c'était le moyen euh, qui, ben, juif, tu peux appliquer, au pour gagner le salut. Le jeûne, la dîme, n'a rien à voir hein, avec le salut. Est-ce que se peut comprendre moi là? Est-ce que je peut comprendre moi là? Amen, amen, amen. Alors, l'Indien, comme ça, annonce un temps de jeûne, convoque tout banjimoun. À ce que je moi là. Maintenant, Joël, chapitre 2, le verset 15 qu'il comme ça les jannu comme ça sonner de la trompette en Sion Joël chapitre 2 le verset 15 qui fait nous sonne trompette à Sion Je pétale moi là amen 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 Joël chapitre 2 le verset 15 Sonnez de la trompette en Sion sanctifier un jeune convoquer une assemblée solennelle je ne Amen, amen, amen. Alors, écoute bien maintenant. Euh, Living Bible, mettez-le comme ça. Sonnez de la trompette sur le mont Sion, sanctifiez un jeune et appelez une assemblée. Sonnez trompette. Qui n'est par là Ok Qui ne Et l'autre, la Bible, qui nous uh, God's Word Translation, comme ça. Sonnez la corne de Bélier en Sion, donnez l'ordre. Quoi Donnez l'ordre de jeûner. Ah parce que tu peux dire moi jeûner. Qui dit toi là Donne l'ordre de jeûner, appelez à l'assemblée. Alors, qui fait une bison son trompette Qui fait qui Joël indire un son son trompette Alors, écoute bien maintenant. La raison qui fait une bison son trompette, tu peux trouver dans Esaïe 52, le premier verset, mot de la Bible, Martin. Esaïe 52, le premier verset. Réveille-toi, réveille-toi. Comme parmi d'autres autres si tu as pas dormi dans ton grand sommeil, je viens avec une trompette, je sonne, je souffle trompette. Amen. Tu peux lever, tu ne peux pas poulever. Amen. Tu peux lever, tu ne peux pas Amen. Je ne peux pas un coup de trompette dans ma tête. Amen. Enfin, je connais qui est Joël et ce tempo. Vomier parle, son trompette, côté lui. Je pète de moi là. Amen. Mais il y a comme ça. Sonnez quoi La trompette. Sonne trompette en Sion. C'est qui Sion Nous connaissons bien que dans, dans le livre de Hébreu chapitre 12, Dieu nous dit Sion, c'est l'Église. Alors, ce soir, est là que tu te maurices, Amen. Sonne une trompette dans Sion. Réveille-toi, réveille-toi. Amen. levête lévez toi réveille-toi, réveille-toi, Sion, réveille-toi de ta force, Jérusalem, ville de sainteté, amen. Réveille-toi de tes vêtements magnifiques, etc., etc., etc. Mais nous trouvons qu'Isaïe dit un, joël dit son trompette qui fait pour réveiller Sion. Alors nous ne peut sonner une trompette ce soir, nous ne peut souffler une trompette ce soir afin que Sion, qu'il l'église, qui toi te capable être réveillé. Qui fait nous besoin être réveillé? parce que la bible dit nous comme ça Amos chapitre 6 le premier verset me lier de la bible Darby amen 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 Vous trouvez vous trouvez comment violence j'étais Joël J'ai un coup de tempo pour gagner en moi <laughs> Amen 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 OK Amos chapitre 6 le premier verset qu'il dit nous comme ça me lier de la bible Darby Amos chapitre amen le premier verset dit nous comme ça Mazinzot, il comme ça, souffler une trompette, sonne trompette dans Sion. Qui faire pour réveiller Sion, pour réveiller l'église, pour réveiller toi Qui faire Amos, chapitre 6, malheur à ceux qui sont à l'aise en Sion. Malheur à ceux qui sont à l'aise en Sion à l'aise dans Sion dans l'église, des casse-pose, pas prier, pas l'église, pas jeûner, pas louer bon Dieu. Quand tu as envie de l'église, Quand tu n'as pas envie de pas aller, te moi là, je pétaines-moi là. Mais la Bible dit quoi? Malheur à ceux qui sont à l'aise en Sion. Ce pour cela qui nous bisait, prend une trompette, sonne dans Sion pour réveiller Sion. Je pète à moi trop beaucoup parmi nous, nous à l'aise. Après dire, après qu'on a un problème. prier pour moi de Mais toi n'es pas capable de prier toi, n'es pas capable de jeûner, toi. Non, ne connaît pas. Non, moi pas connais. Non. Alors, guette dans 1 Corinthiens chapitre 14, le verset 8. Jean, 1 Corinthiens chapitre 14, le verset 8, le verset 8. guette l'apôtre Paul dit nous comme ça. Maintenant, me pédie de la Bible d'Arbi encore une fois. Car aussi, si la trompette rend un son confus, qui se préparera pour le combat Si trompette là, ça qui peut sonner trompette là, peut donner un bon son, qui ça pour lever pour la guerre Alors, nous comprenons maintenant que quand nous, <coughs> quand nous sommes trompette, quand le pasteur sonne trompette pour le jeûne, c'est afin, pour réveiller-toi, pour tier-toi de te lèse, qui te latitude. De paresse qui est dans beaucoup de chrétiens, pas les prier, pas les jeûner, pas aller à l'église, mettez un gifet, une la une la flamme en bas toi. Amen. Et pour prépare toi, 1 Corinthiens 14, le verset 8. Amen. Pour nous capables. Amen préparer dans le combat. Amen. 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 Alors maintenant, nous trouvons qui est important, qui est une proclamation, et bien, il une le temps. Pour jeûner, qui est un pasteur, soit une famille. Toi, en tant que maman, en tant que papa, tu es capable de déclarer un jeûne. Surtout si tu vis dans une, la famille qui est tout chrétien. Alors écoute bien maintenant. Je <coughs> me Tu qu'il est capable de déclarer dans la euh, publier un jeûne. Maintenant. Qui fait nous proclame un jeûne en janvier Qui fait nous proclame. » Deuxième point qu'il nous écrit. Premier point, c'est-à-dire nous sommes capables de proclamer, publier un jeûne. Maintenant, qui fait nous proclame un jeûne en janvier Dans Zacharie chapitre 8, le verset 19. Vous pouvez lire, c'est capable mais ça pour moi un quinquenné. Zacharie chapitre 8, le verset 19 comme ainsi par l'Éternel désormais, le jeûne, le jeûne du quatrième mois, le jeûne du cinquième mois, le jeûne du septième mois et le jeûne du dixième mois seront pour la maison de Judas, de la, de la joie et de l'allégresse. Ok Alors je donne ça là. C'est si quelqu'un qui a pas mis ça pour moi. En lui second, Zacharie, chapitre 8. Le verset 19. Maintenant, je dans la Bible tu es capable de comprendre. Ok Alors, bien, merci. Mais qu'il là Merci Gary. Ainsi parle l'Éternel des armées le jeûne du quatrième mois, le jeûne du cinquième mois, le jeûne du septième mois et le jeûne du dixième mois se changeront, Écoute bien maintenant. Qu'il peut dire Jeûne du quatrième mois, cinquième, septième et dixième. Alors, si nous pouvons comprendre ça, nous, dans nos façon de penser, nous pouvons penser, mais ben, avril, ok, avril, alors, <coughs> et puis mai, et puis quoi, euh, juillet, et puis dixième, c'est octobre. Mais comprends bien, nous, nous, pouvons servir calendrier qui nous appelle Grégoire. Gregory, nous, en anglais, plus facile, The Gregory Calendar. Ok, nous pouvons servir un calendrier qui tout le monde servi maintenant un hein? juif nous servent nous servit calendrier euh, calendrier grégoire je pétale moi là tandis que euh, man juif je servis calendrier juif de rené qui est l'année chinoise mais pas rien à voir avec le 1er janvier ça l'année chinoise quand il n'a pas fêté mais c'est pas le 1er janvier c'est vrai c'est pas vrai amen fête chinois l'année chinoise c'est pas le 1er janvier mais ça culture et n'a ce calendrier. Actuellement, le monde, Amen, sauf pas juif juif, le PCA vie, calendrier juif, nous du le PCA vie, calendrier grégoire. Est-ce que tu es peux comprendre moi là Si tu peux comprendre, Dieu moi peut peux Si tu ne peux pas comprendre, Dieu bénit tout. Ok, alors nous devons comprendre c'est quoi ça Maintenant, mon pour toi, dans mon, les autres versions, afin qui te capable te l'ai capable ouvert. Ok, alors écoute bien maintenant. Molie ali pour toi dans la Bible Living Bible dont tu as pris beaucoup euh, euh, compréhension. Je dit comme ça le jeûne, les jeûnes traditionnels, vous trouvez là et les périodes de deuil que vous avez observées en juillet, en août, octobre et janvier. Janvier, janvier, c'est pour cela qu'il nous c'est pour cela nous proclame de publier un jeûne en janvier. Alors, que bien maintenant, molie maintenant dans l'autre euh, version qui ne donne plus beaucoup de détails encore. Voici ce qu'il dit, ce que dit l'Éternel armées du ciel. Le jeûne traditionnel est le temps de deuil que vous avez gardé au début de l'été, ça veut dire en printemps. Au milieu de l'été, l'automne et l'hiver sont maintenant terminés, à l'époque là. Tu okay? as 70 ans de ce de captivité. Nous trouvons qu'il y en a quatre fois par année qui... Euh, les enfants de Dieu, les enfants d'Israël, je te gênais. Ok Vous trouvez en, comment dire, spring, en printemps, voilà, en printemps, printemps, l'été, l'automne et l'hiver. Tu dis, vous tu me avec moi, Me comprends que les enfants d'Israël, ils ont l'habitude, sa coutume, cette tradition de gêner quoi Quand En En quoi en printemps, en l'été, en automne et en Ben Nous dans l'hiver maintenant. Hum. Amen. Dans janvier, nous dans l'hiver. Ce pousser là qui nous peut jeûner en hiver. Je pète à moi. Et n'a pas, pas haut. Quand je finis jeûner en janvier là, ah mon Dieu, depuis janvier jusqu'à décembre, balle pour vente. <laughs> Ta balle de vente. Mais nous comprenons bien qui. Ben tu peux jeûner. Est-ce que je peux comprendre moi Amen que le nom de Dieu soit béni. Alors, assez envie de. Avant mon étoile les autres les autres points, c'est pour cela qu'il m'explique explique ceux qui ce soir notre message se proclamer. Amen prépare-nous et puis propulser dans le jeûne. De bien vie, sagesse dans le jeûne. Si jamais tu n'habites avec jeûner, pas faire grand noir, fais des tigues pas Si tous les jours tu es habitué à remplir vent trois fois par jour et la manger snack au millier, je moi là, alors tu fais des tchigit pas tchigit. Je pète un mes frères et mes soeurs, peut-être tu es capable simplement rate de déjeuner et après te, 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 te repas normal et tu es capable rat de rater déjeuner et repas midi et manger à soir. Et tu pas capable de faire ça parce qu'il le médecine, alors tu ne découpe la viande. Tu peux comprendre moi là Amen, amen. te félicite selon te. Amen. te félicite so... selon te capacité. Amen, amen, amen. Maintenant, comprends bien Avant moi, toi, les autres qui Alors, écoute bien ça. Il n'y a qu'une chose qui n'est jamais pour quitter la vie, tant qu'il te prend prendre, je n'ai. Il n'y a qu'une chose qui n'est jamais pour venir dans ta vie, pour rentrer dans ta vie. Tant qu'il te emprunte, qu ne te emprunte, Je m'aurais dit ça encore une fois. <coughs> Pardon. Il n'y a qu'une chose qui jamais pour quitter la vie, quitter ta famille, tant qu'il ne te n'a pas emprunte, jeûne. Il n'y a qu'une chose qui jamais pour rentrer dans ta vie, venir dans ta vie, tant qu'il te n'a pas je jeûne. Je être moi là, comprends bien ça. Jésus-Christ guette sa, euh, sa garçon-là, qui est un fou, ce papa, Il amène ce garçon avec ce manne-disciple, et se manque capable de ça ça démon-là, ton disciple demande, qui fait de ne pas capable faire ça Il dit, sa qualité-là sorti simplement avec le jeûne et la prière. Alors comprends bien, il y a qu'une chose qui ne peut pas quitter la vie tant qu'il ne pas prendre, jeûner et prier. Pas une ben, mauvaise chose. Et il y a qui jamais pour rentrer dans de la vie tant que tu ne développes la piste qui nous appelle le jeûne et la prière. Est-ce qu'ils se peuvent comprendre moi mes frères et mes soeurs? Amen, amen, amen. Ce pour cela qu'ils ont trouvé que Jésus-Christ, le jeûne, les prière et le prier est la puissance du Saint-Esprit in vain lowly. Amen, 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 amen. Alors maintenant, c'est quoi qu -ce que nous pouvons dire par jeûner? Écoute bien maintenant, écoute bien maintenant. Jeûner. Quand nous pouvons gêner, c'est qu'il nous peut vider, dévider nos ventres de nourriture physique afin pour remplir notre l'homme intérieur, notre esprit avec de la nourriture spirituelle. Tu entends-moi là? Tu peux moi là, mes frères et mes soeurs? toi ça. Quand nous pouvons jeûner, qu'il nous peut faire? Nous pouvons peut... priver nos ventres, nous les corps physiques, nous pouvons dévider nos ventres de nourriture physique pour remplir, afin de remplir notre âme spirituelle, nous l'esprit à l'intérieur de nous, de la nourriture spirituelle. Est-ce que je comprends moi là Amen, amen, amen. Nous peut priver nous l'écho physique de la nourriture physique, amen, physique, afin qu'il nous capable dans nous l'esprit recevoir la nourriture spirituelle. Est-ce que je comprends moi Tout pareil Comment te manges Comment tu habites manger, et toi Te manges te giri, te caries. Amen. Te diri et te la viande, etc., etc., etc. Et mange badja Tu le joues gâteau patate, gâteau badja. Qui fait que tu manges ça Ça donne-toi ça, ça. nourriture que tu manges et là donne-toi les l'énergie. C'est vrai, c'est pas vrai. En même, alors maintenant, tu comprends qu'on te peut prendre, te peux jeûner te donne donner de l'esprit, d'un homme intérieur, la nourriture spirituelle. Qui vous donne la vie, l'énergie, en d'autres mots, l'onction et la gloire. Que le nom de Dieu soit béni, 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 béni. Je ne peux pas moi là. Alors, jeûner, c'est nous vider nos ventres de nourriture physique pour remplir notre âme spirituelle, l'intérieur de nous, de la nourriture spirituelle. Deuxièmement, écoute bien maintenant, quand nous pouvons peut... jeûner, qui nous peut le faire Qui nous peut le faire Écoute bien maintenant. Jeûner, c'est qui nous peut priver nous de tout plaisir physique euh, de notre corps afin qu'il soit capable et une delivery a, comment je dis ça? comment dire quand euh, quitte une parcelle comment dire de, to deliver a parcelle comment dire ça euh, bon pour délivrer une puissance spirituelle tout bien maintenant en anglais les plus... les, les plis faciles ok les, en anglais les plus faciles Alors écoute bien maintenant, mes frères et messieurs. Italien, en anglais, hein? Fasting is to deny your physical body of pleasures so that there is a delivery of spiritual power. Let me say it again. Fasting is to deny your body of physical pleasures for the delivery of spiritual power. Alors, les plus faciles, deny to deliver. Deny to deliver. OK? Je ne parle pas d'un en français ni en créole. OK? Hallelujah, que le nom de Dieu soit béni. Je trouve ça qui, dans le Luc chapitre 4, Luc chapitre 4, Hallelujah. voilà. Euh, merci Priscilla, nous prévenons de bien plaisir physique pour rapporter, amen, pour gagner, pour recevoir, amen, pour poursuivre une puissance spirituelle. Luc chapitre 4. Rappelle-toi qui en, en Luc chapitre 3, quand Jésus-Christ être baptisé par Jean-Baptiste, Amen, Jésus peut prier et le ciel est ouvert. Le Saint-Esprit vient de Jésus-Christ. Amen. Mais il y a la voix de Dieu, de Dieu le Père qui dit « "Get mon garçon, mon fils unique. » Alors il y a une déclaration que Jésus-Christ est le fils unique. Mais nous trouvons qu'il malgré ça, dans Luc chapitre 4, écoute bien maintenant, Luc chapitre 4, le premier verset, Jésus rempli du Saint-Esprit, revint du Jourdain et fut, et fut conduit par l'Esprit dans le désert. Il fut tenté par le diable pendant 40 jours. Pendant ce jour-là, il, il ne mangea rien. Et quand il fut terminé, il eut faim. Il peut jeûner pendant 40 jours, malgré qu'il n'ait pas de lit. Malgré qu'il connaît qu'il aime le Messie, euh, euh, les mêmes Sauveur, le Rédempteur. Amen. Mais il y allait, les, les gênait. Est-ce que tu devrait manquer, quand il peut les il y a une rencontre avec Satan te comprends Maintenant, quand tu peux gêner, Satan peut fatigue toi parce qu'il parlait. Il y parlait qui te gênait. Il n'a pas parlé qui te gênait. Maintenant, get le verset 14. Le verset 14 est Jésus retourna en Galilée. Amen, par la puissance de l'Esprit. Amen, Amen, Amen. Vous entendez ça là Les revêtus retournent en Galilée, remplis de la puissance du Saint-Esprit. Mais pose-toi la question maintenant. Quand Jésus-Christ, Amen, notre Sauveur, notre Dieu, notre Roi, quand les fenêtres revêtues retournaient avec la puissance du Saint-Esprit Avant le jeûne ou soit après le jeûne Après le jeûne, mes frères et messieurs. Est-ce que je peux comprendre moi là Faire parce que euh, malgré qu'il y en a ce titre Fils de Dieu, Amen, malgré qu'il y en a cet appel messianique, mais les bizarres je n'ai pas fait que le Saint-Esprit capable vienne lit rempli de puissance. La raison qui fait beaucoup de chrétiens n'a peine à aucune puissance beaucoup d'églises beaucoup pasteurs n'ont peine aucune puissance ne passent la vie manger 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 n'a pas jeûné du tout je pète à moi mes frères et mes soeurs guide la bible de nous dans ecclésias chapitre 10 le verset 16 ecclésias chapitre 10 le verset 16 et 17 Écoute bien alors s'il te plaît Gary mets ça en lui second je pète ça et disait comme ça ecclésias chapitre 10 le verset 16 Malheur à toi, pays, quand ton roi est un enfant, et que tes princes mangent les matins. ça là. Malheur à toi, au pays, ça là. Quand le roi te leader. Malheur à toi, l'église, quand ton pasteur, ton roi, ton pasteur, les baba. Je connais en ce moment, mon petit petit. Mon petit euh, mon petit. Euh, si vous pouvez la paix de moi. Amen. Il vient faire sa visite. Comment il est ça, mon Dieu. Il est mangé. Maman, 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 maman. Ok Comment il trouve manger? ce que Je vais aller. Hier, vous pouvez jouer avec lui. Il y a une muffine. Il n'y a pas de muffine. Vous trappez muffine. Vous allez avec lui. Mais combien de gens comme ça Combien de gens comme ça Combien de pasteurs Je peux péter moi. Combien d'hommes homme de Dieu Jamais je te l'ai jeûné. C'est comme ça, malheur à toi au pays, malheur à toi à l'église quand ton roi est un enfant et que tes princes mangent le matin. Le verset 17, heureux est tu pays ou l'église, quand ton roi est fils de noble et que tes princes mangent au temps convenable. Qui fait de manger? Pour la force et non pas pour l'ivresse, non pas pour plaisir. Je ne sens là, mes frères et mes sœurs. Amen, amen, amen. Heureux-toi, pays dont le roi est de race illustre et dont le prince mange au temps convenable pour soutenir leur force. Je peux Trop beaucoup parmi nous ne nous pas servir de nourriture, comment et qui se nous nous la force, mais nous allons nous manger, papa. Amen, comment on le matin, manger. Pas fini, pas même avoir un travail, manger. Des pères rôtis, des pères d'âles pourries. Allez même, manger, même, manger. Et puis, te, te demandes, toi, mais qui fait n'importe nous puissance dans la vie? Mais papa, vous voulez mangé mais même la journée, vous la nuit. Je pète moi là. Amen. 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 Nous connaissons les frères de Jacob, Esaïe. Ok? Soit ils sont. Tu ne sais pas Ils Il perdit ce droit de, de Nesh. Amen. Il perdit ce droit. Ce droit. Amen. Parce qu'il dit il est mangé pour plaisir. Beaucoup peut notre notre royauté. Nous, Pédji, nous, nous place parce qu'au lieu qu'il nous peut jeûner et prier, ne passe plus beaucoup le temps d'être manger 24 l'eau 24. Parce qu'il a une manière enfantine, manger tout le temps, parler, parler, jeûner, parler, prier. Ce pour cela, tu ne trouver aucun changement dans toute la vie. Guette qui la Bible dans 1 Corinthiens chapitre 6, le verset 13. 1 Corinthiens chapitre 6. Le verset 13, s'il vous plaît. 1 Corinthiens chapitre 6 et le verset 13. Rapidement, mes frères et mes sœurs, 1 Corinthiens chapitre 6, le verset 13. Qu'il est déjà nous comme ça. Les viandres pour le ventre et le ventre pour les viandes, mais Dieu le détruira, lui et eux. Vous entendez ça là et moi, la viande la journée dans la nuit de la petite. OK? Coupe de la petite. Je pète à moi, mes frères et mes sœurs, Et Il continue. Oh, le corps n'est pas pour la fornication, mais pour le Seigneur et le Seigneur pour le corps. Je tente cela. Les aliments sont pour le ventre et le ventre pour les aliments. Amen. Mais Dieu détruira l'un comme les autres. OK? Alors, Jésus-Christ, appelé fils de Dieu, mais pourtant, il ne visait Je pète à moi. Alors, c'est maintenant, le jeûne qui vient nous gêner, c'est pour créer une la faim. Non seulement qui te peut gagner une la faim physique, mais tu peux créer une la faim, une passion pour Dieu. Amen. Qui ça pour empêcher toi venir à l'aise dans Sion. Est-ce que je peux comprendre moi là Amen. Dis avec moi, me comprends ce soir comme on peut gêner, ça peut créer non seulement une la faim physique, mais une la faim. Mon affamé, mon assoiffé pour bon Dieu. Je peux à moi là Amen. Je ne suis pas à l'aise dans Sion. Non, 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 non. Seigneur, m'opérez-toi. Je mo toi. Mo toi. Mo toi. Mo toi à toi. Je ne suis pas capable de vivre sans toi. Je ne suis pas capable de vivre sans toi. Amen, amen, amen. Nous, 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 nous découvrons à là qui, à moi chapitre 6, malheur à ceux qui sont à l'aise dans Sion. Alors écoute bien maintenant, donne le temps encore. Le jeune, les libère de la vie. Pour rentrer dans la plénitude de te, de te destinée. Beaucoup pas pour capables peuvent rentrer dans la plénitude de tes destinée tant qu'ils ne te prennent pas jeûner. En qui nous apprend ça Nous nous ça avec Jésus-Christ. Alors, euh, s'il te plaît, Gary, Marc, chapitre 6, le premier verset jusqu'au troisième verset. Marc, chapitre 6, premier verset jusqu'au troisième verset. Écoutez bien mes frères et mes sœurs. Amen Marc chapitre 6, le premier verset jusqu'à troisième verset le jeune les plus libéral les pour toi dans la plénitude de te destinée. tu dis mon Dieu c'est avec moi je dis avec moi me comprends ce soir qui est là Mon la est là un appel mon avis la vie moi destiné Dieu a un plan pour moi Mon bizarre rentre dans sa plénitude de cet plan amen mais comment moi pour faire ça comme ça dans, dans Marc, chapitre 6, le premier trois versets, écoute bien maintenant. Jésus partit de là et se rendit dans sa patrie, hein, dans, ce, dans ce de ce patrie. Ses disciples le suivirent. Quand le sabbat fut venu, amen, il se mit à enseigner dans la synagogue. Beaucoup de gens qui l'entendirent étaient étonnés, amen, amen, et disaient, deux lui viennent ce chose. Quelle est cette sagesse qui lui a été donnée et comment de tels miracles se font-ils par ses mains? Ah, nous tout, ça, ça verse là et dans connexion dans l'acte des Apôtres, comment Dieu il fait un grand miracle par la main de l'apôtre Paul. Alors nous trouvons que l'apôtre Paul et Jésus Christ par de la main un grand, grand grand miracle. Mais qui est euh, en commun ça de là? Jésus et l'apôtre Paul. Ils le monde qui jeûnait et priait. Alors écoute bien maintenant, il dit, nous comme ça. N'est-ce pas le champentier Il n'est pas le champentier, ça. Amen. Le fils de Marie, nous connaissons son son mari, ça. Amen. Le frère de Jacques, nous connaissons son frère, nous connaissons son sœur. En d'autres mots, qui les crois y Qui les crois y Je Ce moi là assez ah, comprend bien. Jésus-Christ, il vient dans la terre en tant que messie, en tant que sauveur. Mais il est né dans la maison de Joseph. Joseph, pas ce papa. Ah, mais ce papa adoptif c'est Joseph, je pétale moi. Joseph un charpentier. Alors maintenant Jésus-Christ invite un charpentier. Qui te peut faire quand elle a elle l'appelle, l'ôte la vie, mais te trouves-toi bloqué dans une place qui pas pour toi. Jésus il est appelé comme Messie, Dieu sur la terre, le Sauveur, le Redempteur, mais il trouve lui-même dans une place qui n'est pas pour lui. Il trouve lui-même le travail moi je donne l'atelier voilà c'est ça qui dit. pas que travaille travail dans l'atelier que les amen 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 dans ce l'atelier amen pas on écoute, écoute pas de coup travail je pète moi là les travail là dedans je pète moi mais comment les peut débloque ce potentiel débloque ce l'appel pour les rendre dans la plénitude de ce l'appel Il engage un jeune de 40 jours alors, comprends bien mes frères et mes soeurs, le jeûne pour libère-toi dans la plénitude de tes destinées Jésus Christ sortit en dehors de l'atelier de Joseph pour y aller dans la plénitude de ce papa. Amen. Afin, euh, ce papa de ciel, pour lui le sauveur, le Messie. Comment manifeste À travers le jeûne et la prière. Je pète à moi mes frères et messieurs, tout le monde avec moi, le jeûne, libère ma la vie dans la plénitude de ma destinée. Ça veut dire maintenant, si tu te trouves bloqué, te me à débloquer, amen, Te destinée, en gênant, débloque de l'objectif, de purpose, en engageant le jeûne. Cinquièmement, le jeûne, écoute bien maintenant, l'époule brise. Ban label, comme on dit en anglais, ma première en français. Ban label, ban identité, ban étiquette et ban limitation qui les autres imposent l'auto. Je voudrais bon, dire ça. Numéro 5, le jeune les plus brise, ban labels, ban ticket, ban étiquette, ban limite qui les autres imposent l'auto. Mais nous connaissons ça, Grand son mari ça. Ok? Nous connaissons ce papa, nous connaissons ce papa physique, nous connaissons environ ce maman, nous connaissons ce bon frère, ce bon nous connaissons ce qui est resté ça. Pas connaissons ce qui est sape maintenant, et Dieu nous aimons les merci. Ah, quand tu es gêné, tu brises toute cette identité qui le monde, il met Tout ça, est une fausse qui est le monde, qui est le label qui ban le monde, qui est limitation qui est qui est Amen, Amen, Amen. Je pétane-moi là, mes frères et messieurs, qui n'est imposé le monde, tu peux comprendre moi là Comment il fait ça Comment il sort de euh, carpentry et d'un champ entier pour lui rentrer dans la plénitude Il tire sa labelle, la labelle, la lolli. Amen. Ça manque qu'ils va mettre la là pour lui rentrer dans la plénitude. Amen. Et toi Tu peux laisser 10 moines de cause de moi Ah oui, nous connais n'importe ça! Ah, tu connais pas c'est ça. Ah, tu connais pas un ornier, tu connais pas un bagage. Tu peux laisser 10 moines de comme ça, ça croit avec toi Amen. Change de l'avenir. Rentre dans ton potentiel. Rentre dans le but de toute la vie. Donne la l'appel. En engageant le jeûne et la prière. Amen. 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 Sixièmement. Écoute bien maintenant. Le jeûne. C'est sacrifice. Il veut faire un sacrifice aujourd'hui pour l'endemain. Nous gagne succès. Vous dit ça. Le jeûne si tu peux faire un sacrifice aujourd'hui afin qu'il demeure capable de recevoir un succès. Tu dis mon Dieu, ça avec moi, c'est un de mes mots qui ban Chrétien à de nouveau, parler, écouter, sacrifice. Si Jésus-Christ, il nous disait faire sacrifice, toi aussi tu nous fait faire sacrifice. Alors le jeûne, Amen, c'est Romains chapitre 12, le premier verset, s'il te plaît. Romains chapitre 12, le premier verset, le jeûne, c'est qu'il nous peut faire un sacrifice aujourd'hui aujourd'hui, pour l'endemain, pour demain, qui afin nous demain, nous capables recevoir un succès dans nous la vie. C'est sacrifice qui pointe mène nous vers le succès. Le sacrifice, amen, de jeûner, pour mène nous, pour donner nous succès dans nous demain. Je pète à moi là, Romain chapitre 12, s'il vous plaît, mais qui ça pour moi. Romains chapitre 12, le premier verset. Amen. Amen, Amen, Amen. Amen. OK, bien, comme ça, je vous, je, je vous exhorte, donc frère, euh, par le compassion de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant. Un sacrifice vivant. Amen. Saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Quand ne peut pas jeûner, ne pas de quelque chose qui pas raisonnable du tout. Non, 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 non. Le jeûne lit raisonnable. Le jeûne, c'est qui te fait un sacrifice. <coughs> Donne-moi un bon Amen ce soir, que le nom de Dieu soit béni. Ça qui te sacrifie un sacrifice aujourd'hui, demain te retrouve le succès. Et septièmement, rapidement, le jeûne pour permettre-toi. Être guidé par Dieu. Le jeûne, il peut permettre, toi, pour être quoi Guidé, Amen, pour recevoir un guide de Dieu. Tu dis, Mounia, voulez recevoir un guide de Dieu. Nous pouvons trouver ça dans Esdras, s'il vous plaît, mes frères et mes sœurs, dans le livre de Esdras, chapitre 8, le premier verset. Esdras, chapitre 8, le premier verset. Hallelujah, que le nom de Dieu soit béni. Esdras chapitre 8. Le premier verset, s'il vous plaît. Esdras chapitre 8. Dieu lit bon. Dieu lit bon. Esdras chapitre 8. Le verset 21 à 23. Et nous termine la même parce que le temps est allé. Okay? Esdras chapitre 8. Et dimanche, mon les autres. comment te prépare-toi? Capable de un jeûne efficace. La raison qui fait beaucoup faire dans la vie, c'est parce que, Amen, c'est parce que, nous ne qu'on pas prépare nous-mêmes. Alors, s'il vous plaît, Esdras chapitre 8, le verset 21 à 23. Ok, Esdras, ok, 21 à 23, disons-nous comme ça, là, près, <coughs> là, uh, Esdras chapitre 8, le verset 21, s'il vous plaît, à 23. Dit, là, près du fleuve Dava, je proclamais un jeûne d'humiliation devant notre Dieu afin de le prier pour nous accorder, de nous accorder quoi Un heureux voyage. En anglais, dit, that he might show us the right way. That he might show us the right way. Esdras, chapitre 8, le verset 21 jusqu'à 23. OK il dit, Ezra dit, je proclame, je publie un jeûne afin que Dieu, et nous vous priez, afin que Dieu soit capable, accorde-moi un heureux voyage. Amen. <coughs> ok, dans la Bible anglaise, dit, afin qu'il soit capable, montrez-nous le bon chemin, amen, pour, no, pour nous, pour nos enfants, et pour tous ceux qui, ce qui nous appartient. Parce que j'aurais eu honte de demander au roi une escorte et des cavaliers, pour nous protéger contre l'ennemi pendant la route, quand nous avons lui dit au roi, au roi, la main de notre Dieu est pour leur bien et sur tous ceux qui le cherchent, mais sa force et sa colère sont sur tous ceux qui l'abandonnent. Alors, c'est à cause de cela que nous gênâmes et que nous invoquâmes notre Dieu. Et il nous exauça. Quand nous gênait de prier, Dieu peut exaucer notre prière, mais il peut montrer nous bon chemin. Et dit sera dire, papa, à ne peut pas avec les rois comme ça. Et eh, nous besoin d'un pescot, nous besoin d'un soldats pour protéger nous. Quand nous finit, je vais comme ça, qui bon Dieu pour protéger nous. C'est quoi de là L'épée il l'épée traverse le désert. Il dit, aïe, Seigneur, depuis Babylone pour aller dans Jérusalem, il y a beaucoup de bandits. Comment nous sommes capables d'aller pas être attaqués par des bandits? Comment nous sommes capables de gagner protection sans être attaqués par des bandits? Il dit non, nous gêner et nous prier. Nous gêner et nous prier. C'est un temps là? Afin que Dieu soit capable de nous le bon chemin, afin qu'il nous capable d'éviter ces voler, voler ban bandits. Amen. Qui fatigue nous la vie. Est-ce que vous peut comprendre, mes frères et mes soeurs? les est important qu'ils gêner. Alors, nous faire proclamer. Et c'est quoi le jeûne encore nous faire? Dimanche, nous pouvons faire préparer et propulser dans le jeûne. Amen, Amen, Amen. Ben, voilà, nous venons vers la fin de nos réunions. J'espère que je ne comprends pas Amen. Si tu comprends anglais, écoute réunion de hier en anglais. Ça, pour bénir toi. Amen. Moi, moi, je me plie à l'aise en anglais qui est en créole, et que ce soit en français, mais moi, je me à l'aise en anglais. Okay? C'est juste pendant la pandémie que vous n'en prenez Prêche en créole. Amen. Alors, comment l'habitude fait tous les, euh, tous les dimanches Tous les jeudis, nous prenons l'offrande en ligne. Amen. Je trouve l'eau, Je trouve l'eau, merci Isabelle, et il met ça pour moi. Alors, je trouvais l'eau, euh, l'écran, glennaricion.org, suicide, et je te sème, je te sème dans l'évangile de Dieu. Amen. Mm -hmm. Afin que l'évangile soit capable d'épanouir entier le monde. Amen, Amen, Amen. N'oublie pas que ce vendredi, Amen, qu'il est là ce vendredi, Maurice Kina, qu'il est dans Prayer Room, dans Prayer Room, Amen. Nous avons 10 places pour 40 personnes. Amen, nous avons de 40 à 45 personnes. Alors, s'il vous plaît, rentrez à l'heure. Rentrez à l'heure. Arrêtez en retard. Amen. Pas de moi, à Mauricien. 22h, l'île maurice 22h, l'île Maurice. Amen, c'est l'heure, l'île Maurice. Amen. Isabelle dit à Créole, petit. Comme si je dirait, il dit que c'est extra bien Créole. Amen, Amen, Amen. Hallelujah. Amen. Nous sommes capables d'avoir conversation. Mais précieux, Créole, toi. Alors, réunion de prière. Quelle 22 heure 22h, Maurice. Amen. 22h, Maurice. Euh, en Angleterre, l'IPO à 18h. Et en Angleterre, en France, en Italie, l'IPO à 19h. Ben voilà, voilà, mes frères et messieurs, que le Seigneur vous bénisse. Content-je de beaucoup, appréciez je de beaucoup. Motrouzote demain dans Réunion de prière à 22h pile. À quelle heure 22h pile. Voilà, voilà, Pasteur Luce, comment vas-tu Comment vas-tu, mon ami J'espère que tu vas bien. Amen, j'espère que l'Église va bien. Amen, amen, amen. Ok, alors, code Isabelle dans, village, dans ce village, la villageoise, l'épouse de nous à 18h, ceux qui sont en Europe à 19h. Amen. Dieu te bénisse, bonne année à toi, pasteur lycée Que Dieu vous bénisse, compte en vous beaucoup, amen, Donne-nous l'offrande, et que Dieu vous bénisse. Bye-bye.